Hello. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que l'image est correcte? Est-ce que tout va bien pour vous? Bon, bah si vous m'entendez, c'est très bien. On va attendre un petit peu. On va essayer de faire plus court que la dernière fois. À peu près 1 heure. On va parler principalement des villes aujourd'hui. Évidemment, je répondrai à vos questions. J'ai un petit problème avec la webcam déportée, donc je ne l'allumerai pas. J'essaierai de l'arranger un peu plus tard. Je vais faire un petit rappel sur Geekpoa, sur Indécent. Alors, si vous avez déjà des questions, vous n'hésitez pas, vous me les marquez. Est-ce que ça marche? Wow, ça a l'air de marcher, c'est fantastique. Bonsoir, Sine. Et on va envoyer un petit message sur. J'ai l'impression que les chats vont débarquer dans pas très longtemps. Alors, nous sommes actuellement 3. On va encore attendre un tout petit peu si ça ne vous dérange pas. Donc le programme de la soirée va être de discuter de l'urbanisation d'Imperium, comment s'est construite la planète et comment se sont développées les villes de ce monde? Quelles sont les particularités de ces villes? Évidemment, nous allons laisser en suspens pas mal de petites choses. L'objectif, évidemment, étant de vous donner un aperçu pour que vous puissiez le rendre plus facilement durant vos parties. Par contre, nous dévoilerons très peu de secrets de ce monde. Alors, il est possible qu'il y ait quelques spoils, donc ne vous inquiétez pas, on essaiera. C'est véritablement en fait la surface du background, l'ensemble des secrets seront dévoilés dans le livre des bases qui sera à apparaître. Alors, il est 21h05, on va commencer petit à petit, progressivement. Pour parler des villes, il faut parler de l'histoire un petit peu de la planète. La planète d'Imperium 5 est une planète qui appartient à un système solaire composé de plusieurs autres planètes qui gravitent autour d'un seul soleil unique, un soleil jaune comme le nôtre.
Cette planète a été habitée par une civilisation. Cette civilisation a cru en densité, en population pendant très longtemps, transformant, métamorphosant l'intégralité de sa surface, rendant de plus en plus dense l'urbanisation, au point que l'ensemble de la planète ait été complètement recouverte d'une structure urbaine très dense. Ces civilisations, ce sont tout simplement, en fait, cette civilisation plutôt, c'est tout simplement développée en fait en hauteur. C'est-à-dire que quand une ville ou quand une section de la planète se construisait et se renouvelait, on construisait en fait tout simplement par-dessus les quartiers plus anciens. Et donc ça s'est fait sur plusieurs siècles, voire même sur plusieurs millénaires. Ce qui fait que la planète est entièrement urbanisée et qu'elle a une succession de couches urbaine, extrêmement dense. Donc, on peut... Alors, hop là. Les océans sont-ils asséchés? Alors, les océans ne sont pas asséchés. Les océans sont accessibles. Ils ont sûrement une certaine utilité pour les villes d'Imperium, pour les villes où vous allez habiter. Et par contre, il y a très peu, semble-t-il, après ce sera à découvrir, il y a très peu de zones habitées sous les océans. Et effectivement, ce ne sont que les terres qui sont recouvertes des archives et des... Enfin, des archives, des villes et des couches de villes successives qui se sont construites siècle après siècle. Alors non, il ne reste pas de végétation sur le monde d'Imperium. La végétation, si elle existe, c'est une végétation synthétique qui a été construite. Donc là, vous avez une des représentations du monde. Donc cette représentation du monde, si on zoome dessus, c'est la carte que vous avez en votre possession, si vous avez le kit d'Imperium. Donc cette représentation montre des zones qui sont formées de blocs gris. Et puis ensuite, vous avez des tétraèdres ou des zones beaucoup plus densifiées. Donc il faut différencier ces deux zones. Donc les zones urbanisées dont je vous parlais, celles qui étaient construites par la civilisation antérieure à la colonisation, se sont progressivement effondrées suite à différents cataclysmes qui ont eu lieu bien avant la période de la colonisation. Donc on se retrouve en fait avec une zone urbanisée totalement laissée à l'abandon par l'ancienne civilisation. C'est un amas de métal, de verre, de béton de coursives tout à fait inappropriées à la vie. Ça s'est fait progressivement. Je vais vous montrer un petit schéma qui va vous expliquer un petit peu. Donc ce schéma que vous trouvez sur le kit. Représente de façon vague, c'est voulu, les périodes Morlock, les premiers contacts, la première colonisation et ensuite la période Imperium.
Donc, la période Imperium, en fait, elle s'étend de la période de la colonisation jusqu'à la période du crash quantique. Hop. Bonjour, je crois que mon illustrateur, celui qui a fait quelques plans pour moi, est présent. Je vais lui envoyer une petite invitation pour qu'il puisse nous rejoindre. Jean Teki, je serais ravi de t'aider à rentrer dans l'univers. Ça ne pose aucun problème, justement. On est là pour ça. Alors, juste un petit instant. Je découvre hein, petit à petit le monde merveilleux de la diffusion sur Twitch. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est de savoir qu'en fait, le monde dans lequel vous allez jouer, le monde d'Imperium 5, est un monde qui a eu une vie, une civilisation qui l'a fait évoluer pendant des siècles et des siècles, des millénaires, l'a urbanisé. Et qu'ensuite, en fait, vous-même, votre civilisation, la civilisation d'Imperium, quand elle est venue dans ce système solaire et qu'elle l'a colonisé, il y a eu en fait un système de, on va dire de terraforming qui a été fait. Je vais vous expliquer aussi cette notion de terraforming. On est loin de la notion auquel on pourrait, dont on pourrait s'imaginer. Lors de la phase de colonisation, les Imperiums, quand elles arrivent au-dessus d'une planète, elles ont une mécanique très particulière hein, pour coloniser les planètes. En fait, elles considèrent qu'elles n'ont pas besoin de restructurer les planètes. Elles viennent avec, en étant totalement autonomes, avec ce qu'on appelle des unités de vie. Hop là. Je vais vous montrer un petit schéma qui est hop là, assez important. Voilà. Je sais pas, je pense que vous allez pouvoir le voir. Voilà. Alors, ce schéma représente en fait ce qu'est une unité de vie. Une unité de vie est en fait un bloc autonome qui fait à peu près 5 km de côté et qui, une fois qu'il est largué par un vaisseau cargo, va venir s'arrimer dans le sol de la planète. À partir de là, en fait, il est autoconstruit, c'est-à-dire qu'en fait, il est autosuffisant. Bonne soirée, Sine. Donc, il est autosuffisant, c'est-à-dire qu'en fait, il est programmé pour, d'une part, générer la ville qu'il va supporter, et il va aussi générer l'atmosphère, la protection. L'autosuffisance en énergie pendant un grand laps de temps et la capacité d'aller rechercher différentes sources d'énergie au sein même de la planète qui est colonisée. Voilà. Donc il y a Martin qui nous rejoint. Pas si Martin, tu nous entends. Je t'entends, je ne sais pas Très si bien. vous m'entendez. Alors, moi, je t'entends. On va demander au live de nous dire si ils vous entendent. La caste des métabarons. Alors, hop, faut que je prenne l'habitude de faire ça. Donc, effectivement, la caste des métabarons a été. Ça n'a pas été une inspiration immédiate. Ça fait partie, en fait, des inspirations, on va dire, indirectes, puisque je les ai lues quand j'étais. Quand j'étais un peu plus jeune, et
Je pense que ça m'a inspiré indirectement, effectivement. Donc, et après, bah, c'est Martin, c'est Fanny, ce sont les illustrateurs qui ont apporté la partie character design. Et après, dans les choix que je vais vous montrer, des choix d'illustration, de ville, d'environnement, bah, évidemment, ça se rapproche, hein. Mais ma principale inspiration, c'est plus de la SF, c'est plus du Blade Runner. Donc, là, vous voyez à l'écran, donc il y a ces fameuses unités de vie. Quand des vaisseaux cargo arrivent pour coloniser une planète, ils viennent en très grand nombre. Chaque Imperium a ses propres vaisseaux cargo, et selon un certain nombre de règles extrêmement strictes, ils vont lâcher les unités de vie qui vont venir et s'arrimer sur la planète, soit de façon autonome, soit agglomérées les unes aux autres, pour former en fait des mégalopoles. À partir de là, en fait, les villes vont être construites. Ça, c'est la deuxième étape. Et on reviendra en fait sur les bâtiments de chacune de ces mégalopoles. Et deuxième étape, en fait, elles vont envoyer dans les profondeurs des planètes de quoi récupérer des énergies fondamentales qui vont leur permettre de se déployer et d'accueillir la vie. Chaque unité de vie peut être protégée. Elle est entièrement autonome en énergie, en protection. Et si une unité de vie considère que la ville qu'elle protège est en danger, elle peut déployer un dôme qui va venir recouvrir l'unité de vie elle-même et la protéger. Et en général, ces dômes, bah, en fait, sont sous forme pyramidale. D'accord? D'où en fait cette symbolique de la pyramide. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais faire un petit peu défiler des représentations graphiques qui vont nous permettre en fait de mieux comprendre une unité de vie. Donc, une unité de vie, c'est en fait un carré de 5 km sur 5 km qui va venir se poser sur la planète. Et d'où vont émerger, je vais peut-être un peu grossir parce que ça m'a l'air d'être un tout petit peu petit, d'où vont émerger en fait des bâtiments. D'accord? Donc ce sont des bâtiments extrêmement, extrêmement puissants, extrêmement solides. Puis ensuite, donc chaque unité de vie va avoir en fait ce qu'on appelle des piliers. Ces piliers sont là pour s'enfoncer dans la croûte terrestre ou dans le cas de notre planète, elles vont s'enfoncer d'abord dans le tissu urbain, puis ensuite s'efforcer de descendre jusqu'à la couche terrestre. À partir de là, donc, la ville se construit. Et s'il y a nécessité, il y a un dôme qui peut venir protéger cette cité. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Les dessins sont assez, assez petits. On fera des schémas un petit peu plus grands. Donc là, en fait, vous avez devant les yeux, en fait, une unité de vie qui s'est protégée. D'accord? Comme je vous le précisais, précédemment, plusieurs unités de vie peuvent s'agglomérer. Et si au moment où elles vont s'agglomérer, ben en fait ça va devenir des mégalopoles, des agglomérations gigantesques, en sachant que chaque carré fait 5 km de côté. Certaines de ces agglomérations, de ces mégalopoles, vont rester des mégalopoles. D'autres vont avoir un titre un peu particulier, un peu pompeux, qu'on appelle les palaces, donc qui sont les capitales des villes. La différence entre une mégalopole et un palace, c'est que les mégalopoles sont en fait un regroupement d'unités de vie, et donc chaque unité de vie va se protéger indépendamment de son voisin ou de sa voisine. D'accord? Et donc là, nous avons une représentation en fait d'une mégalopole dont deux secteurs, deux unités de vie en fait se sont protégées. Alors que tous les autres, en fait, sont ouverts. C'est la terminologie couramment utilisée.
Alors que, qu'un palace, donc une capitale de ville, va pouvoir en fait construire un dôme sur l'intégralité de sa surface. Les capitales dont nous vous avons parlé en fait un petit peu précédemment, je vais zoomer un petit peu, par exemple l'Alpha Palace. Nous avons dans le scénario, dans le premier scénario, ça se passe dans le Solarium Palace. Dans les autres scénarios, ça se passera dans la Dreadlim Palace. Ces agglomérations, ces mégalopoles, elles, en fait, réfléchissent globalement. C'est-à-dire que chaque unité de vie délègue à une entité, une intelligence artificielle globale, la notion de ressources d'énergie, gestion de l'air, protection du palace. Et donc, il faut considérer en fait ça dans son ensemble. Je vais m'arrêter là rapidement. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vais essayer de voir si Martin, de son côté, a la possibilité de nous partager peut-être quelques illustrations. Est-ce que tu as un bouton dans ton interface qui s'appelle Share? Oui, j'ai un bouton dans mon interface qui s'appelle Share, mais là je sais pas si ma connexion internet va tenir. Et Ça va être la surprise. c'est ça. Comme je suis très organisé, j'ai absolument rien de préparé. Mais c'est pas grave. Tu seras tout aussi bien organisé que moi. Et nos viewers seront ravis de découvrir les quelques esquisses que tu as pu faire. Je vais te laisser monter tout ça. Je vais voir Je s'il y a ferai, des je ferai. questions. Visiblement, il n'y a pas de questions. Donc, on peut un petit peu poursuivre. Dès que tu es prêt, Martin, t'hésite pas. OK. Au niveau des villes, l'ensemble de ces unités de vie ont construit donc au moment de la colonisation. Les unités de vie se sont posées et ont commencé en fait à construire les villes. Et durant une très longue période, entre la colonisation et évidemment le crash quantique, les choses se déroulaient, on va dire, correctement, normalement. Évidemment, ces événements-là, en fait, ont été totalement oblitérés des souvenirs des personnages de la ville, des bases de données et de l'ensemble des Imperiums. Ce que les gens ont pour souvenir, ce sont en fait les premiers éveillés. C'est-à-dire ceux qui ont repris conscience après le crash quantique et qui ont vu en fait l'ensemble de ces villes, de ces tombes ouvertes ou de ces tombes fermées dans un état pitoyable, sans vraiment comprendre ce qui les entourait. Le crash quantique a détruit un grand nombre d'unités de vie, les rendant totalement inopérants. Certaines de ces unités de vie n'ont pas réussi à se protéger, à générer leur dôme. Et le crash quantique a détruit entièrement l'unité de vie ainsi que les bâtiments. D'autres unités de vie ont réussi à soulever une partie de leur protection, ce qui fait que les villes qu'elles ont protégées ont été un peu moins affectées. Mais dans tous les cas, la population qui était à l'intérieur, elle, par contre, a été entièrement oblitérée. Et puis, il y a des unités de vie qui ont réussi à protéger leur ville, et c'est principalement les palaces.
Et donc, dans le monde d'Imperium, ce sont la vie, les actions, la politique, l'économie se déroulent principalement autour des palaces. Les petites mégalopoles, les unités de vie autonomes, isolées, ne sont pas du tout habitées ou de façon extrêmement marginale. Et donc, on développera petit à petit, d'une part, l'ensemble des mégalopoles et des palaces, et puis ensuite, on s'intéressera à des cas très particuliers, à des petites unités de vie, à des villes qui ont eu soit la chance de résister, soit la chance de ne pas résister, enfin la malchance de ne pas résister plutôt. Au moment où la population s'est réveillée et a repris conscience, l'ensemble des dômes était fermé, ce qui a permis aux gens qui étaient en dessous de, on va dire, survivre. Évidemment, il y a certaines villes, certains dômes dont les protections ne se sont pas levées ou n'ont pas réussi à se réouvrir. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les pyramides closes. Ce sont les pyramides qui sont principalement convoitées parce qu'elles sont sources de technologies potentiellement perdues et de différentes ressources que les Imperium et que l'administration générale ou tout autre groupe qui existe dans Imperium tente de récupérer et de maîtriser. Donc là, on a fait un petit peu le tour des unités de vie et de ce qu'elles composent, de ce qui est sorti d'elles-mêmes, ce sont en fait les villes. Je fais une petite pause. Je vais d'abord faire un petit tour du côté de Martin pour voir si tout est OK de son côté ou bien s'il est un petit peu perdu. Non, là, je suis en train de transférer les images vers mon PC, histoire de tout avoir au même endroit. Ok, très bien. Et Toujours aussi organisé. du côté du live, est-ce que vous avez des questions sur la colonisation, sur l'ancienne urbanisation, les anciennes civilisations, sur les unités de vie, la structure des unités de vie, la protection qu'elles peuvent fournir ou qu'elles n'ont pas fournie? Hop. Alors, je vais revenir sur la carte. Les petits cercles gris sur la carte sont des villes fermées, point d'interrogation. Alors, je vais zoomer un petit peu. Je pense qu'on parle de ces petits cercles un petit peu gris qui sont en grand nombre sur la carte. Les petits cercles, donc, en fait, ne sont pas du tout des villes fermées. Ce sont en fait des tours gigantesques qui sortent presque de l'atmosphère, qui font plusieurs kilomètres de haut et qui régulièrement accueillent, semble-t-il, des vaisseaux titans. Il y en a exactement 129 dans le monde et ils ne sont que sur la surface terrestre. Donc c'est ce qu'on appelle en fait des tours sources. Les vaisseaux titans viennent avec une certaine régularité, traversent une partie de l'atmosphère et viennent s'arrimer sur ces tours. Et il semble qu'il y ait des échanges d'énergie entre les tours sources et les vaisseaux titans. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais n'hésite pas à en poser d'autres. Alors, les unités de vie sont contrôlées par une IA entièrement ou partiellement. Alors, c'est une très bonne question, auquel je n'ai pas réfléchi, non pas du tout, je plaisante. Les unités de vie sont totalement autonomes. Par contre, comme toute chose dans Imperium, elles sont reliées à ce qu'on appelle l'onde. Et via l'onde,
des intelligences artificielles les contrôles. Et évidemment, toute personne qui a la possibilité d'accéder à l'onde peut accéder à ces intelligences artificielles et peuvent tenter donc de hacker ces intelligences artificielles pour maîtriser ce qu'elles opèrent sur les unités de vie. Voilà. Et donc c'est un espace extrêmement sombre où énormément d'individus et de groupes se font des guerres secrètes pour avoir le contrôle des unités de vie. Voilà. Évidemment, tout ça est extrêmement réglementé par l'administration générale. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Juste après, nous allons passer sur sur la ville elle-même, sur qu'est-ce qu'une ville et qu'est-ce qu'un bâtiment dans Imperium. J'entends un raclement de gorge du côté de Martin qui va me dire que il est fin prêt. Presque prêt, là, je renomme les images pour que ce soit dans l'ordre, mais on peut y aller comme ça aussi. Ok, bah prends ton temps. Dès que tu es prêt, tu diffuses et moi je pourrais basculer sur toi. Parfait. Alors, pourquoi nous parlons des unités de vie ? Parce qu'en fait, c'est le fondement, c'est la symbolique de ce qu'est une pyramide. Nous verrons après, une fois qu'on aura décrit les villes, nous allons décrire des bâtiments qui sont véritablement des pyramides. Ce sont véritablement des exceptions, des espèces de chapelles de technologie, des endroits qui sont entièrement fermés. Et qui sont la propriété exclusive de certains nobles, voilà. Mais qui ne sont pas des villes à part entière. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui vivent dans ces pyramides, c'est parce qu'en fait, elles ont les accréditations et que les nobles leur donnent le droit de vivre dans ces pyramides. Alors, qu'est-ce qu'une ville dans Imperium ? Une ville, en fait, c'est une structure composée de particules et d'énergie, programmée et injectée dans une unité de vie. Une fois que l'unité de vie s'active, en fait, l'ensemble des particules commence à se structurer, consommant l'énergie et formant en fait une espèce de structure vide de bâtiment. Donc en fait, on a deux éléments qu'il faut prendre en compte quand on parle de ville dans Imperium. On a les bâtiments, c'est-à-dire leur structure extérieure, leur coquille, d'accord, qui est construite avec une technologie, ce qu'on appelle prototech, c'est-à-dire une technologie ancienne, extrêmement solide, composée de particules de matière et composée d'énergie pour maintenir la cohésion au sein de ces particules. Et ensuite, deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que la structure intérieure des bâtiments est générée de façon pareille, en utilisant en fait des programmes. Chaque structure intérieure d'un bâtiment est en fait est programmée pour avoir un usage. Donc un bâtiment peut avoir une forme, et à l'intérieur, ça va être principalement des laboratoires, des bureaux, des zones de stockage. Voilà. Et c'est le programme qui gère la structure intérieure qui va venir structurer en utilisant de l'énergie et en utilisant les nanotechnologies, les nanoparticules, elle va structurer complètement en fait la structure du bâtiment, les étages, les cloisonnements, les murs, etc. etc. D'accord ? L'ensemble des bâtiments d'Imperium sont construits à partir de l'unité de vie et peuvent monter jusqu'à plusieurs kilomètres de hauteur, en sachant que les bâtiments les plus hauts, en général, peuvent monter jusqu'à 3, 4, voire 5 kilomètres de haut. D'accord ? Les bâtiments les plus petits
font entre 500, 500, 600, 700 mètres. Voilà. Chacun des bâtiments qui est construit peut avoir en fait une dimension pouvant aller de 100 mètres de côté à 500, 600, 700 mètres de côté. Donc ça peut être véritablement d'énormes bâtiments. Et certains bâtiments sont construits, sont programmés pour être construits et nécessitent plusieurs unités de vie. Donc en fait, vous allez avoir 2, 3, 4, 5 unités de vie qui vont s'agglomérer. Et à partir de là, un seul et unique bâtiment en fait va s'auto-construire. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Il faut véritablement faire la différence entre la structure extérieure, la coquille du bâtiment, et sa structure intérieure. Alors, je ne sais pas si Martin est prêt, parce qu'il est en train de travailler justement sur cette notion de structure intérieure, structure extérieure. Ça charge. Très bien. Mais donc normalement, là, c'est bon. Ok. Très bien. Est-ce que tu peux aller sur les derniers bâtiments, enfin les dernières illustrations sur lesquelles tu as travaillé pour Imperium ? Donc là, vous voyez passer ce genre-là, peut-être ? Exactement, ce genre-là. Très bien. Alors, nous allons nous arrêter là-dessus. Alors, je ne sais pas si tout le monde, si tout le monde les voit bien. Nous avons en fait une structure extérieure d'un bâtiment d'Imperium. Cette structure extérieure, elle est maintenue. C'est une structure qui est faite en prototech. Et donc, elle a une énergie, une structure propre, une solidité qui lui est propre. Toute technologie qui n'est pas d'un niveau prototech ne pourra pas l'endommager. Et même si elle arrive à l'endommager, automatiquement, l'intelligence artificielle d'une unité de vie va la reconstruire. Donc, en fait, un bâtiment sur une unité de vie est auto-régénérant. D'accord ? Par contre, les unités de vie, depuis le crash quantique, ont un manque, semble-t-il, soit ils ont un manque flagrant d'énergie, soit les Imperium et l'administration générale, MU, ne comprend pas le fonctionnement de la structuration intérieure des bâtiments. Donc, quoi qu'il en soit, la plupart des bâtiments sur le monde d'Imperium sont en fait des coquilles vides. D'accord ? Il y a eu un travail durant la phase de Reborn. Donc, la phase de Reborn, c'est toute une période assez longue qui a eu lieu après le crash quantique. Je vais revenir sur mon petit schéma ici. Je vais zoomer. Donc, voilà. Donc, nous avons une phase de Reborn, voilà, qui est ici. Durant cette phase de Reborn, la société s'est reconstruite. L'administration générale et les Imperium ont, pour fournir de l'habitat aux gens qui avaient survécu et aux gens qui ont été reconstruits, ont dû travailler, restructurer les villes et les bâtiments. Et cette restructuration, elle s'est passée à deux niveaux. Première, en fait, certains des bâtiments avaient suffisamment d'énergie et les unités de vie n'avaient pas perdu leur énergie. Donc, la structure intérieure d'un bâtiment prototech, en fait, elle était déjà présente. Donc, les Imperium ont pu s'installer. Il y a quelques bâtiments comme ça à travers le monde qui ont une structure extérieure et intérieure qui sont totalement et pleinement opérationnels. Mais dans 75% des cas, on n'a que la coquille extérieure, on n'a pas la structure intérieure pour faire habiter les gens. Donc, qu'ont fait les Imperium ? Ils ont construit au sein de ces coquilles vides des secteurs. Donc là, si on peut zoomer par exemple sur le troisième bâtiment, celui où on voit en fait les secteurs, je ne sais pas si tu as la possibilité. Comme ça ?
Ouais, voilà. Donc là, par exemple, on voit l'intérieur d'un bâtiment et on voit ses secteurs. Ce sont en fait des blocs qui sont arrimés contre la coquille du bâtiment. Et chacun de ces secteurs peut être gigantesque, hein. Ils peuvent faire 100, 200, 300 mètres de côté, de haut. C'est véritablement d'énormes cubes qui sont arrimés. Certains, parce que certains bâtiments d'Imperium sont véritablement gigantesques, peuvent faire quasiment 500 mètres de côté. Et par contre, ils sont isolés les uns par rapport aux autres la plupart du temps. C'est-à-dire qu'en fait, le bloc qui va être à droite ne va pas être relié au bloc qui se trouve à gauche. D'accord? Et pour cela, en fait, les Imperiums ont construit tout un réseau externe. Donc là, si tu peux décaler très légèrement ton image pour qu'on voit le bâtiment central. En fait, il y a des passerelles qui ont été construites et qui vont permettre en fait aux habitants, aux travailleurs, de pouvoir en fait emprunter les passerelles pour aller d'un secteur à un autre secteur dans un même bâtiment. D'accord? Sur ces passerelles, c'est là où se trouve en fait l'ensemble aussi des bornes pour appeler les véhicules autonomes, pour que les gens puissent se déplacer de secteur en secteur, de ville en ville, sans aucune difficulté. D'accord? Voilà comment se compose en fait un bâtiment dans Imperium. Et donc, il faut imaginer que cette structure de bâtiment, 75% des bâtiments encore debout dans Imperium sont composés de ce type-là. Donc, il y a un côté extrêmement technologique parce que la structure, la coquille en elle-même est extrêmement solide, elle est extrêmement moderne, c'est de la prototech, elle est auto-régénérante. Par contre, les blocs à l'intérieur et les structures extérieures qui permettent de se déplacer sont, elles, ce qu'on appelle de la néotech, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de la technologie beaucoup plus récente qui a été réinventée après le crash quantique. Donc voilà un petit peu en fait la structure des bâtiments au sein des villes. Voilà, pour 75% des cas. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Très bien. Chacune des villes va appartenir à un des Imperiums. Merci, c'est merci Atsukoi, c'est gentil. Chacune des villes va appartenir à un Imperium. En fait, on va dire chaque territoire. Je vais vous remontrer la carte. A été divisé. Donc là, on peut voir, on zoome un petit peu, on voit que la partie centrale ici appartient à l'Imperium d'Edlidus, que la partie, on va dire, européenne, Afrique de l'Ouest appartient à l'Alpha, l'Amérique du Nord appartient à l'Alpha, l'Amérique du Sud appartient à la Calabre. L'ensemble des pyramides qui sont sur ces territoires-là sont délégués aux Imperiums. Donc ce sont les Imperiums qui sont en charge de les maintenir. Par contre, ils ne sont pas propriétaires des unités de vie. Donc ça peut paraître un peu complexe, mais c'est là où viennent et jouent un rôle les nobles. C'est qu'en fait, les unités de vie appartiennent aux nobles. D'accord? Et donc, ça va générer d'une part de la tension, d'autre part des négociations, et potentiellement, quand un Imperium essaye de se rapprocher d'un noble pour qu'il change de citoyenneté, c'est des pans entiers d'unités de vie qui peuvent changer d'Imperium. D'accord? Donc il y a cette notion politique qui rentre en compte et qui peut venir enrichir le jeu et enrichir le monde. D'accord?
l'administration générale, qui est garante de l'humanité, qui est une branche de MU, elle possède en fait ce qu'on appelle des MU zones. Donc ce sont des territoires qui viennent se superposer aux Imperiums, un petit peu comme les évêchés venaient se superposer en fait à une structure plus séculière au Moyen-Âge. Donc dans les MU zones, l'autorité se répartit de façon équitable, alors je mets des guillemets autour d'équitable, entre l'Imperium et MU, et l'administration générale. Au sein même d'une agglomération, d'une mégalopole et d'une capitale, d'un palace, certains bâtiments sont un peu comme des ambassades, et donc n'appartiennent pas nécessairement à l'Imperium. Donc, si on fait un zoom sur l'Alpha Palace, dans l'Alpha Palace, vous allez avoir des bâtiments qui vont appartenir principalement à l'Alpha, mais il va y avoir des bâtiments qui vont appartenir à d'autres Imperiums. Et l'ensemble de ces règles de répartition sont réglementées, sont gérées avec un tiers qui est l'administration générale qui doit être au courant de ces échanges. À cela, on peut rajouter un niveau supplémentaire que sont en fait les entreprises. Donc les entreprises en fait vont appartenir aux Imperiums. Il y a des notions d'action, de pourcentage de propriété. Elles peuvent avoir en charge, elles peuvent être propriétaires d'un bâtiment, de deux bâtiments, de trois bâtiments. Et donc, dans le scénario initial qui se trouve dans le kit de démarrage, l'action se déroule dans le Solarium Palace et il y a un bâtiment que les joueurs vont... Enfin, les personnages vont s'intéresser à un bâtiment en particulier, et ce bâtiment appartient à une entreprise dont l'actionnaire majoritaire est le Solarium. Voilà. Dernier point, certaines des bâtiments, des villes, sont la propriété exclusive aussi des nobles. Voilà. Donc, un bâtiment, en général, il a il appartient à une unité de vie, cette unité de vie appartient à un noble, ensuite on remonte d'un cran, potentiellement ce bâtiment-là est en gérance par l'Imperium, et potentiellement cette gérance peut être ensuite redonnée ou revendue à une entreprise, ou bien récupérée à nouveau par le noble qui est propriétaire de l'unité de vie. Donc ça complexifie énormément en fait qui est responsable, de quoi, comment, est-ce que les milices des uns et des autres peuvent interférer, voilà. Ce qui rend le monde d'Imperium un peu potentiellement complexe et pas aussi sécuritaire qu'il n'y paraît. Voilà. Il y a des notions qui sont un petit peu complexes. À cela, évidemment, on rajoute l'ensemble des unités de vie qui ont été entièrement oblitérées et qui sont laissées à l'abandon par les Imperiums, par l'administration générale. Certaines unités de vie qui se reconstruisent malgré tout sont tout de même laissées à l'abandon par l'administration générale et là sont gérées par des organisations mafieuses ou par des groupes un petit peu divergents de l'administration générale ou de certains Imperiums. Évidemment, la grande majorité des unités de vie, elles ont été totalement oblitérées et elles viennent compléter ce paysage hyper urbanisé d'Imperium.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant cette notion d'une part de bâtiment et d'autre part cette notion de propriété? Qui est propriétaire de tel secteur, de tel bâtiment? Voilà. Si vous avez besoin de précision, de clarté là-dessus, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions. Et après, on passera directement sur les pyramides, avec un P majuscule, c'est-à-dire les mystères des nobles, qu'on ne dévoilera pas, mais... Tu dessines sur quoi, là, Martin, en ce moment? Est-ce que tu... Là en ce moment sur ma tablette, mais pas sur mon PC. D'accord. Donc, je tiens à préciser pour les gens du live que Martin, en fait, va nous faire une Valkyrie et que cette Valkyrie sera à gagner. Donc, on va essayer dans la semaine de faire un petit live où Martin va dessiner sa Valkyrie un petit peu. Et ensuite, on trouvera moyen de faire gagner la Valkyrie de Martin. Ok, pas d'autres questions. Donc là, tu dessines sur quoi là, en ce moment, Martin? Le pas le support technique, mais le sujet que je dessine, hein, du coup. Oui, tout à Bah fait. là, je suis en train de continuer ça, voilà, D'accord. les immeubles, histoire de continuer à l'avoir au propre, D'accord. que ce soit pas tout sale, tout crade comme c'est là. D'accord. Mais c'est voilà. C'est. Je pense que ça va aider en fait les meneurs de jeu. Ça leur permettra de se représenter à quoi peut ressembler en fait la structure d'un bâtiment. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la structure d'un bâtiment, je vais vous montrer certaines images. Hein. Là, on est extrêmement schématique. Hein, ce qu'a fait Martin, je demandais d'être extrêmement schématique. Par contre, la coquille extérieure d'un bâtiment dans Imperium, elle peut être comment dire, d'une apparence assez étonnante. Hein. Donc, je vais vous repasser des images que vous avez sur le kit. Hop là. Donc, là, par exemple, je repasse là-dessus. Là, par exemple, vous avez une ou plusieurs unités de vie sur lesquelles se sont construites des bâtiments, des villes. Et donc là, on est plus proche de ce qu'on appelle la Calabre. Donc, c'est un des Imperiums. C'est une architecture qui est assez particulière. Donc, le travail de colorimétrie, en fait, n'a pas été refait hein, sur les images que je vous montre. Et voilà. Donc les bâtiments en eux-mêmes, en fait, ils peuvent avoir des structures et des formes tout à fait particulières. Hop, on peut voir ici une structure très. Donc là, on est plutôt du côté de l'alpha. On est sur du bâtiment qui semble être plutôt militaire. Et en arrière-plan, nous avons d'énormes bâtiments qui ressemblent à des montagnes. C'est des bâtiments prototech. Et à l'avant, là où les vaisseaux sont en train de s'arrimer, c'est de la néothèque, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de la technologie plus récente, celle qui a été construite après le crash quantique. Donc là, nous sommes dans la Dreadlim. C'est le Moscou Palace. C'est une structure extrêmement hiérarchisée. Et ça, ce sont les bâtiments en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de l'unité de vie, se sont construites ces espèces de structures très alvéolées et qui ont un usage principalement industriel où vivent, où sont concentrés en fait des centaines de millions d'individus. Hop. Et puis, nous avons du classique. Voilà.
Bâtiments très classiques qui composent la plupart des unités de vie, donc avec un soubassement qui est soit inondé, soit inhabitable. Et puis en fait, à partir des 200-300 mètres, les bâtiments en fait deviennent habitables et ils sont entretenus. Donc, voilà un petit peu en fait une structure type de villes et de bâtiments qui peuvent être visibles. Hop là, je vais vous passer. Donc cette image-là est totalement iconique. Il est 21h57. Je vais vous parler en fait des pyramides. La forme pyramidale est une forme prépondérante. Dans Imperium. Et c'est pour ça que certaines personnes mal intentionnées se sont moquées d'Imperium en faisant des références à un jeu des années 90 sur France 2, sur Antenne 2 plutôt à l'époque. Donc, les pyramides dans Imperium, alors évidemment, je rigole, faut pas. Pas d'animosité ni quoi que ce soit. Je trouve ça très amusant. Les pyramides, en tant que telles, au-delà du dôme de protection qu'une unité de vie peut générer, qui est en général sous forme un dôme en forme pyramidale, il y a réellement des pyramides, donc des structures extrêmement fermées, monolithiques. Qui existent. Elles ne sont pas structurées de la même manière que les villes, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'unité de vie qui a construit la pyramide qui est au-dessus. C'est véritablement une pyramide un peu comme du Stargate, comme du Bilal. En fait, c'est véritablement une peut-être des vaisseaux. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de, y a pas de définition particulière, ou du moins, je ne peux pas trop en parler. Et donc, ces pyramides, on part du principe que ce sont en fait des lieux qui sont utilisés et qui sont propriétés exclusives des nobles. Ces pyramides sont totalement et hermétiquement closes. Est-ce qu'elles le sont parce qu'il y a eu le crash quantique? Est-ce qu'elles le sont parce que les nobles ont décidé de les refermer? Quoi qu'il en soit, ce sont il y en a des dizaines et des dizaines. On peut même dire qu'il peut y en avoir plusieurs centaines. Certaines sont très petites, elles font peut-être 500 mètres de côté. D'autres sont beaucoup plus grandes et peuvent faire presque 1 ou 2 kilomètres de côté, donc autant de haut. Quoi qu'il en soit, elles parsèment le monde et elles communiquent en permanence avec l'onde. Donc l'onde, en fait, c'est un principe beaucoup plus étendu pour parler de ce qu'on pourrait appeler l'Internet ou la matrice. L'ensemble des Imperiums scrute l'onde et écoute très attentivement en fait ce qui se passe au niveau de ces pyramides. Ces pyramides semblent parler, semblent communiquer. Et on peut essayer de comprendre ce qu'elles disent, on essaye d'interpréter leur langage et leurs signaux, un peu comme si on écoutait les baleines dans l'océan et que de temps en temps, en fait, on entende des messages un peu particuliers, différents de d'habitude. Et ces signaux-là, en fait, il n'y a pas que les Imperiums qui les écoutent, il y a des organisations mafieuses, il y a les branches secrètes de Mu, des sectes excommuniés. Bref, tout le monde s'intéresse à ces pyramides. Pourquoi? Parce que il semble qu'elles protègent des secrets fondamentaux. Dans ces pyramides se cachent les souvenirs que toute l'humanité a perdus. Dans ces pyramides se cache la puissance des nobles. Dans ces pyramides se cachent des choses qu'il est préférable de ne pas dévoiler ou de ne pas sortir de cette même pyramide. Bref, une grande partie de la technologie de ce qu'est l'humanité, de ce qu'était l'humanité,
de l'histoire de la colonisation pourrait se cacher dans ces pyramides. Et donc, de grands arcs narratifs tournent autour de ces pyramides, et vos joueurs et et vous, meneurs, vous allez pouvoir en fait découvrir une grande partie d'Imperium via ces pyramides. Évidemment, ce n'est pas quelque chose d'inatteignable. C'est rentrer dans une pyramide, vous allez le faire dans la suite de scénario qui va sortir. On va vous faire rentrer tout de même dans dans ces pyramides-là. Après, est-ce que vos personnages, les personnages qui vont rentrer dans ces pyramides-là, vont ressortir vivants? Ça, je n'en sais rien. Je peux émettre des doutes. Heureusement qu'ils ont des clones. Les personnages pré-tirés, et heureusement qu'il y a le rebuild aussi. Donc ça, c'est un petit indice, hein, je spoil. Bref, dans ces pyramides, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais faire un peu de spoil. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, fermez les écoutilles. Ça peut être d'énormes centres de loisirs avec une virtualisation totale. Vous rentrez dans cette pyramide, vous allez autre part. Ça peut être des espèces d'énormes générateurs d'énergie ou des ressources énergétiques que les nobles peuvent puiser pour modifier la réalité autour d'eux. Les pyramides peuvent être d'énormes calculateurs, donc des ordinateurs qui sont là pour prévoir l'avenir et potentiellement, voire même le modifier. D'accord? Donc, est-ce qu'une de ces trois déclarations est vraie? J'en sais rien. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire? J'espère. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on va développer? Sûrement. Donc, ça fait partie complètement de l'univers d'Imperium. C'est pour ça que cette symbolique de la pyramide est présente et elle restera présente. Voilà. Donc évidemment, quand vous allez faire la campagne noble, vous allez en apprendre un peu plus sur ces pyramides parce que vous allez en apprendre un peu plus sur les nobles. D'accord? Mais ce sera à vous après. En piochant dans les secrets de l'univers, de développer complètement l'importance que les pyramides vont avoir dans votre narration. Mais, pour revenir à notre thème central, elles font partie du paysage urbain d'Imperium. Imperium, c'est une couche, pour faire un résumé de tout ce qu'on s'est dit, c'est une couche qui s'est construite de villes, qui s'est construite sur des villes, des zones urbanisées qui se sont effondrées les unes sur les autres et qui se sont construites les unes sur les autres par une civilisation ancienne qui, semble-t-il, s'est fait coloniser par les Imperiums, c'est-à-dire par vous, par vos personnages. La colonisation s'est passée selon un schéma très classique, très on ne terraforme pas les planètes, ça ne sert à rien. En fait, on installe des unités de vie, ces unités de vie apportent énergie, construction, autonomie, protection à l'ensemble des habitants. Elles forment les villes, elles construisent les villes. S'il y a suffisamment d'énergie, chacune des villes va contenir des bâtiments à l'intérieur des bâtiments. Des représentations, des zones, comment on appelle ça, des pièces, des étages, etc., etc. Toute cette structure est déjà préprogrammée dans les unités de vie. Ces unités de vie, en fait, la plupart ont été oblitérées lors du crash quantique parce qu'elles ne se sont pas fermées suffisamment tôt. Celles qui se sont fermées ont été partiellement endommagées et partiellement reconstruites, celles qui se sont très bien protégées et qui se sont réouvertes concentrent la population survivante qui a été reconstruite, reconditionnée et replacée, et ce sont principalement les palaces qui sont visibles sur la carte du monde.
Mais il n'y a pas que les palaces. D'accord ? Certaines unités de vie, certaines mégalopoles sont, même si elles sont moins bien densément peuplées, moins bien alimentées par des énergies secondaires, elles peuvent être des zones extrêmement riches pour de l'action, de la narration, de la diplomatie, de l'investigation, de l'espionnage, de guerre secrète. Et pour finir, nous avons ces nobles qui sont venus avec, avec leurs pyramides et qui les ont posées, ou qui les ont créées, ou qui les ont téléportées. Et elles sont arrivées en même temps que le reste de la colonisation, et elles font partie du tissu urbain visible dans le monde d'Imperium. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vais vous laisser poser des questions. Je vais me retourner vers Martin et j'ai une question à te poser, Martin. Tu as été embarqué dans le projet il y a quelques temps déjà. Je me suis fait enlever en fait. Ouais, tu t'es fait enlever, exactement. Un jour, Patrick est arrivé, il m'a mis dans le coffre. Non, mais méfie-toi parce qu'il y a des gens qui vont véritablement croire que. Non, c'est une blague. Je ne suis pas vraiment dans la cave de Patrick. Non, parce que Patrick n'a pas de cave. Il a un pauvre cellier. Mais tu tiens dedans, hein. Tu tiens dans le cellier, c'est pas mal. Mais ça, faut pas le dire. Ah, zut. Tu as travaillé sur quoi, en fait, sur Imperium ? Est-ce que tu peux nous décrire, en fait, sur quoi tu as travaillé, comment tu as ressenti le travail ? J'ai travaillé sur les cartes d'environnement et de... Ça a coupé un peu. On ne t'entend plus. Je ne sais pas si tu m'entends. Tu peux m'envoyer un petit message sur Discord. Parmi les 4 viewers qui restent, est-ce que vous m'entendez ou est-ce que vous entendez Martin ? Ah, Martin est revenu. Voilà. Oh, je suis là en double. Ouais, vas-y. Est-ce que tu m'entends ? Ok, c'est bon. Vous vas-y, m'entendez ? Okay. Je vous... Ouais. Enfin, je t'entends. Je ouais, n'entends pas les bon. Gens dans le chat. Je pense que tout le monde t'entend. Parfait. J'en étais où quand ça a coupé, si ça a coupé ? Tout début, tu as été embarqué pour faire des plans, je crois. Voilà, donc j'ai été embarqué pour faire des plans que pour les différents scénarios, pour que les joueurs et les maîtres de jeu puissent se projeter dans l'espace dans lequel ils jouent. Assez vite, tu m'as proposé de faire des personnages. Du coup, j'ai également fait des personnages et j'ai fait des personnages, que dire de plus. Et je vais continuer du coup à faire des plans pour Imperium, des plans de ville, si j'ai bien compris, et des plans plus globaux de quartiers, villes et pays, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, tout à fait. Alors, je vais montrer un petit peu les plans que vous connaissez déjà, puisque vous les avez dans le kit. Ce qu'on va faire, Martin, parce que Martin ne va pas faire que les plans, je vais diffuser les deux illustrations que personne n'a encore vues. Hop là. Alors, Freeman nous demande, tu vas faire des cartes ou des illustrations ? Alors, il va faire des plans et des illustrations. Pour les cartes, on va voir. Pour l'instant, en fait, il y a une personne qui est en train de travailler sur des cartes et je pense qu'on va essayer de l'interviewer. Alors, on va présenter... Il faut que juste que je les retrouve.
On va afficher deux illustrations que tu as faites. On va commencer par le tout premier. Est-ce que tu peux un petit peu nous l'écrire? Voilà. Oula. Quelle est son histoire? Qu'est-ce que tu peux nous en dire sans trop en dévoiler? Sans trop en dévoiler. Bien, il s'agit d'un noble qui donc comme son statut l'indique est très puissant et possède un certain nombre d'ennemis et qui par ses on va dire manipulations et embrouilles politiques se retrouve à avoir besoin de gens pour l'aider. Est-ce que c'est le genre de description que tu attendais? C'est très bien. On ne citera pas son nom, mais il fait partie d'un des trois nobles les plus puissants du monde. Voilà. Tu as travaillé sur d'autres personnages et tu as commencé à en travailler sur l'un d'eux. Alors, je ne sais pas si c'est exactement la dernière version. Tac, j'essaye de... Voilà, ça c'est la dernière version. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Décris-nous un peu, en fait, quelles sont tes inspirations? Évidemment, je t'ai fait un brief, mais ensuite, derrière, toi, t'as rajouté des choses. Ouais, j'ai rajouté des choses. Après, je me souviens plus exactement de toutes les inspirations précisément. Parce qu'il y a des inspirations, c'est juste des choses que j'ai trouvées il y a un certain temps sur l'internet. Par exemple, pour le manteau, c'était, il me semble, une tapisserie que j'avais vue. J'étais genre, ah, ça, c'est intéressant. Mais pour, par exemple, son bâton, c'est un mélange entre un sceptre d'évêque. Je crois que c'est un nom précis, mais j'ai plus le nom. Et une transfusion, enfin une poche de sang, du coup au niveau du haut du sceptre, parce que c'est cet homme fait partie d'une secte nommée le Sang Quantique. Exactement. Et donc j'étais en train de, enfin pour la petite histoire, j'étais en train de faire tout un tas de croquis de ce à quoi pourrait ressembler le sceptre. Et j'étais en train de faire mon truc. Et j'ai un ami à côté de moi il me regarde et il fait il pourrait pas avoir une perfusion avec lui. Là, il y a une petite ampoule qui s'allumait au-dessus de ma tête et je me suis dit, tiens, le sceptre avec une poche de sang à l'intérieur. Ça peut être une bonne idée. Effectivement. Donc, comme l'a dit... Oula, je vais avoir du mal à prononcer ton nom. Comme l'a dit Kaboul, c'est effectivement une inspiration pour ce personnage-là. Ça faisait partie un petit peu du brief. Alors, je crois que Martin ne connaissait pas Johnny Mnemonic. Non, et donc j'ai dû retrouver une vieille image de Dolph Lundgren. Voilà. Donc, cet individu ne s'appelle pas le prophète, il s'appelle la voix, et il appartient au Sang Quantique, organisation qui va interférer dans les scénarios à partir du scénario 5 ou 6, je ne sais plus.
et que vos personnages vont, vont rencontrer. Le sang quantique, l'organisation, pas spécialement la voix. Et c'est un groupe d'individus que vous allez pouvoir découvrir au travers des différents secrets et que vous allez pouvoir utiliser comme groupe et comme individualité pour opposer à vos joueurs, si vous le souhaitez. Hello Fletch. Ah, attends, voilà, faut que je fasse ça d'abord et après je dis Hello Fletch. Tu vois, la classe. c'est des trucs à apprendre. Voilà. Donc logiquement, donc évidemment, tu as tous les plans. En fait, Martin en fait m'aide beaucoup pour conceptualiser les schémas. Donc, vous les transmettre aussi, des villes, comment sont structurées les villes, c'est très important. Ça va nous permettre aussi ensuite de faire un travail de graphique, enfin, d'environnement de design, je ne connais pas exactement le terme, mais toutes les images que vous voyez, l'objectif, c'est ensuite de construire à partir de ce qu'a fait Martin, et de construire des environnements 3D plus complets, plus poussés, plus graphiques. Et puis, ben, y a toute la partie secte et organisation de l'administration générale. En fait, principalement l'idée, cette partie graphique, cette partie illustration du monde d'Imperium, ça va être Mu, le cœur de Mu, les sectes, les organisations excommuniées, etc., etc. Voilà. Donc, on commence par le sang quantique parce qu'ils vont rentrer dans les premiers scénarios, et ensuite on va développer d'autres choses qui sont bien plus sombres. Et donc, bah, j'espère que je ne vais pas dégoûter Martin dans mes descriptions de lieux, d'endroits, de scènes et d'individus que peuvent composer le que peut si t'arrives à me dégoûter, franchement, t'auras fait fort. Hein. Voilà, très bien. Et comme Martin est un fan de Dead Genesis, je vais lui apprendre. Je ne sais pas s'il l'a déjà appris. Je dérape complètement, mais de la fin de la gamme. Ouais, voilà. Si j'ai appris. Bon, ça va alors. T'as pas. Je suis encore en plein deuil. Ok. Je suis désolé. Donc, Kaboul nous pose une petite question par rapport au scénario. Quand le scénario 2 sera-t-il disponible? Le scénario 2 va être disponible entre le 15 et le 20 novembre. Donc, je pense qu'il va y avoir un petit glissement. Je l'avais prévu pour le 15, mais je prévois dès maintenant un glissement. Donc, le scénario 2 et 3 sortiront en même temps parce que c'est plus logique de les mener comme ça pour moi. Pour vous, vous pouvez les diviser pour les mener distinctement, le 2 puis ensuite le 3 plus tard. Mais le 2 et le 3 sortiront simultanément. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Tu es venu avec nous à Octogone, Martin. Donc certains ont eu la chance de te rencontrer. Qu'est-ce qui t'a plu là-bas, en fait? Qu'est-ce qui t'a plu à Octogone? Parce que je ne sais pas si tu avais fait beaucoup de conventions comme ça de jeux de rôle. Et puis là, ça faisait 2 ans, dans tous les cas, qu'en fait, il n'y avait pas eu de convention. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as ressenti? Ouais. Bah, y a beaucoup de choses qui m'ont plu à Octogone. Mais je vais pas être extrêmement objectif et j'ai pas beaucoup de recul là-dessus parce que c'était ma première convention de jeu de rôle en tout cas. Et les paillettes. Ça fait partie des choses qui m'ont bien plu, les paillettes. Les paillettes sur les t-shirts. Attends, exactement. Ouais, je vois. Malheureusement, je crois que sur aucun des t-shirts que j'ai là actuellement sous le coude, j'ai pas de paillettes. Hein. Ouais, bah sur le mien, il y en a. Ah si, voilà, je montre. Alors, je sais pas du tout si ça va se voir. D'ailleurs, Fletch est très heureux d'avoir un t-shirt avec la reine et avec des paillettes.
Voilà. Donc voilà. Donc c'est... Donc, je pense que Free fait référence à ces paillettes-là. En dehors des t-shirts, j'ai trouvé ça absolument génial de rencontrer les gens déjà, parce que bah, quand on dessine pour du jeu de rôle, en général, on n'a pas le retour direct des personnes qui vont consommer les illustrations en les regardant, ce que ça va leur inspirer, etc. Donc c'est l'occasion de discuter un peu de ça avec les premiers intéressés, j'ai envie de dire. Et puis, de manière générale, en tant que rôliste, c'est agréable de pouvoir aller feuilleter des bouquins qui vont sortir ou qui sont sortis et discuter avec les auteurs et les équipes qui sont derrière, quoi. Puis voir des gens, quand même, en cette période, c'est agréable. Oui, tout à fait. Martin, tu es un illustrateur, oui. Mais tu es aussi un rôliste. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire de rôliste ? Qu'est-ce que le jeu de rôle, en fait, t'apporte ? Et qu'est-ce que toi t'apporte au jeu de rôle, en fait ? Comment dire ? J'aime beaucoup raconter des histoires. Je suis principalement maître de jeu. Et même quand je suis joueur, ce que je préfère par-dessus tout, c'est de participer du coup au fait de raconter une histoire du coup avec les autres joueurs et d'interagir. Et c'est peut-être même le plus important d'interagir avec des gens, parce que je joue surtout avec des amis. Et c'est toujours l'occasion de se revoir, de bien rigoler ensemble pendant. Enfin, ça dépend des sessions, mais entre 2 et 48 heures, en fonction du temps disponible pour chacun. C'est. Le jeu de rôle, c'est un moment où tu. Enfin. Perso, c'est un moment où j'aime beaucoup imaginer tous les personnages, les personnages autour de la table, les personnages non-joueurs avec lesquels on a interagi ou que je présente aux joueurs. Ça fait voyager d'une manière intéressante, je trouve, en fonction de ce qu'on joue. Je fais très peu de jeux qui se passent dans notre époque ou dans notre monde contemporain. D'accord. Moi, je me suis toujours posé la question, quand un meneur ou qu'un autre joueur, en fait, me décrivait quelque chose, moi, je me l'imagine. Bon, comme tout un chacun. Par contre, toi, enfin, et je présume d'autres qui ont ce petit talent ou ce grand talent, de pouvoir dessiner, est-ce que toi, naturellement, tu te le représentes en illustration ? Je ne sais pas du tout si c'est très clair ce que je dis. Est-ce que tu te le crayonnes dans la tête ? Bah, j'ai une idée en général quand je présente mes PNJ. J'ai une idée assez précise de ce à quoi ils représentent, enfin de ce à quoi ils ressemblent. Et si je devais les dessiner, ça me prendrait pas beaucoup de temps de les dessiner, enfin ou en tout cas de faire les premières ébauches pour les montrer aux joueurs, être sûr que c'est la même chose qu'ils ont en tête. D'accord, très bien. Mais ça veut pas dire que j'illustre tous les personnages que je présente. Oui, ça risque d'être assez compliqué. Ouais. Alors, j'avais une petite question, je vais me permettre de te la poser. Est-ce que quand tu dessines, tu t'ennuies en partie ? Enfin, quand tu fais une partie de jeu de rôle ? Est-ce que quand tu te mets à dessiner, est-ce que c'est quand tu décroches ?
Non, c'est en général, sur les parties de jeu de rôle, si je dessine, c'est soit qu'on est dans un creux, dans le sens où on attend que le MJ ait terminé avec un joueur et que du coup on est juste entre nous, et dans ce cas-là, on discute. Enfin, je dessine en discutant avec les autres joueurs de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait. Mais bah, après, c'est pas que je m'ennuie ou que je décroche. C'est juste que y a rien de trop important qui se passe sur la table. Mais Ok. s'il faut prendre des décisions importantes ou que le MJ est en train de parler, en général, je vais pas dessiner. Ok, très bien. Alors, si vous avez des questions à poser à Martin, n'hésitez pas. Toujours intéressant d'avoir le point de vue d'un artiste sur le jeu de rôle, sur le monde du jeu de rôle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Martin, en fait, a déjà illustré un des jeux de rôle publié. Est-ce que tu peux nous parler un peu des maisons d'édition pour lesquelles tu as travaillé et puis des illustrations que tu as faites, celles dont tu as le droit de parler, évidemment? Alors, il y en a pas tant que ça dont j'ai le droit de parler. Du coup, et pour celles dont j'ai le droit de parler, du coup, c'est essentiellement des petites illustrations, de faire les emblèmes de factions sur les héritiers, par exemple. Où j'ai fait également des plans et portraits sur du coup là il me semble qu'il est sorti c'est la dernière extension de Mournblade, les Cités Pourpres, il me semble, Oui, c'est ça. où donc j'ai eu quelques plans à réaliser, enfin un plan de bateau et du coup la carte des Cités Pourpres. Avec du coup toutes les cités, l'île, enfin les îles, bah, du coup les portraits de certains personnages que vous pouvez rencontrer dans cette extension. C'était du coup avec Titam. Assez, enfin je dois dire que c'était très plaisant à faire, hein, parce que j'ai pas. Enfin, j'aime bien dessiner des personnages. Et là, en l'occurrence, la direction artistique étant déjà fixée, c'est intéressant de travailler avec pas mal de contraintes. Et du coup, de voir ce qui en sort. Parce qu'il n'y a pas le même process pour faire l'illustration quand on t'impose comment dire, le rendu final de l'image, enfin D'accord. ce à quoi ça doit ressembler vaguement. Je sais pas trop quoi dire dessus non plus, parce qu'il faut pas que je spoil. Non, mais tout à fait. Après, on peut partir du principe que ceux qui connaissent un petit peu le monde d'Elric savent que les îles des Cités Pourpres représentent en fait une cité, enfin des cités-états maritimes. Qui domine une partie des océans, maintenant que l'empire melnibonéen est un petit peu affaibli. Et donc, évidemment, il y a tout un côté maritime qui est mis en avant, donc sûrement avec des bateaux, etc., etc. Voilà, donc ça, il n'y a pas de. C'est dans les romans, donc tout va bien. J'ai mis ton ArtStation là sur le, je sais pas comment on appelle ça, le chat. J'ai vu ça, c'est gentil, merci. Donc là, vous retrouverez un petit peu toutes les illustrations, enfin une partie des illustrations que Martin a pu faire. Et je vais zoomer, si je peux me permettre. Je pense qu'on ne dévoile rien Vas-y, de vas-y. particulier. Donc là, par exemple, on voit en fait un plan de bateau qui est sûrement publié pour les îles des Cités Pourpres.
et tu as fait le plan des îles, donc qu'on pourra retrouver dans l'ouvrage. Exactement. Voilà. C'est pour ça qu'à un moment donné, en fait, je me suis dit, ça y est, je vais obliger Martin à refaire des plans. Donc voilà, on est tombé d'accord sur le fait de faire certains personnages. Et voilà, parce que ça le sort un petit peu de sa routine de faire des plans, ce qui est intéressant en soi, je pense, mais qui manque un peu d'originalité au bout d'un moment. Une fois que tu as fait un plan, deux plans, trois plans, ça commence à devenir peut-être un peu ennuyeux. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir son ArtStation. Il est très intéressant. Il apporte, je pense, beaucoup. Donc là, par exemple, on a les héritiers. Il y a les différents styles qu'il peut aussi vous apporter. Donc, ça peut être intéressant pour vos parties à vous, personnelles. Ça peut, je ne sais pas s'il y a un éditeur ou quelqu'un qui a envie de sortir son jeu de rôle et qui est en train de m'écouter actuellement, donc faut pas hésiter non plus. Je vous l'avais expliqué dans le premier live quand j'embarque quelqu'un dans l'univers d'Imperium et avec OBA Edition, l'objectif c'est que ils sortent d'OBA Edition et que qu'ils puissent avoir un travail aussi à côté. Donc n'hésitez pas à revenir directement vers lui. Hein. Vous n'êtes pas obligé de passer par moi du tout. Je suis pas son je serais ravi de lui transmettre vos messages, mais vous pouvez aussi directement le contacter via son ArtStation. Voilà. Je passe rapidement les illustrations, mais oh, contenu adulte, je ferme les yeux. Non, il n'y a rien de contenu adulte là-dedans. ArtStation ne veut pas me l'enlever. D'accord. Ça, c'était quoi? C'était un jeu de cartes des Genesis que tu avais fait ou... C'est ça, bah, c'était il y a longtemps maintenant. Il y avait pas mal de personnes dans la communauté des Genesis qui avaient fait des jeux de cartes, enfin des jeux de tarot pour leur partie. Et moi, avec mes joueurs, j'avais envie d'avoir des cartes de tarot, mais j'en trouvais pas qui me satisfasse en termes de visuel. Et du coup, je me suis dit, je vais me faire mon jeu de tarot. Et une fois que j'ai fini de faire mon jeu de tarot, je me suis dit, peut-être que ça va plaire à d'autres gens, quand même. Et du coup, je l'ai partagé à toutes les personnes qui sont intéressées. Le lien est peut-être mort depuis. Et du coup, je m'étais inspiré d'une des illustrations de l'auteur et illustrateur de, enfin, plusieurs illustrateurs, mais du coup, de Marco Djurjevic, une de ses illustrations de Dead Genesis où on voit bien une carte de tarot et à partir de cette carte-là, j'ai réutilisé le même style et essayé de faire les autres cartes du jeu. D'accord. Je passe un petit peu rapidement. Donc tu maîtrises la 2D, enfin le dessin on va dire classique. Et là je vois en fait un export 3D que tu as dû faire. Oui. Donc ça veut dire que tu connais un peu aussi certains logiciels de 3D. Je sais faire de la 3D du coup. D'accord. C'est une des cordes que j'ai à mon arc. D'accord. 3D, texture. Je pense que c'est quelque chose qu'on utilisera. Tu sais qu'en fait, j'ai en contact donc Olivier. Donc là, faudra qu'on voit un petit peu avec lui. Mais l'objectif, c'est aussi de matérialiser certaines choses. Au format 3D. Et un sujet qu'on abordera un petit peu plus tard, c'est la notion d'équipement dans Imperium. Mécaniquement, dans les règles, ils ont un rôle très particulier. On n'est pas dans une liste
d'équipement classique hein, à la jeu de rôle, mais on aura en fait des sections d'armes comme des catalogues, et ce sera véritablement vendu comme des catalogues, comme si vous étiez en train de feuilleter le catalogue de Castorama ou je sais pas quoi, et en fait on vous vendra les armes de cette manière-là en fait, sans statistiques. Pour ceux qui connaissent un peu la mécanique du jeu, vous comprenez qu'il n'y a pas besoin d'avoir de statistiques en fait pour les armes. Et donc Martin pourrait aussi travailler sur les équipements, sur les armes, sur les armures, sur les différents petits équipements divers et variés, qu'ils soient prototech ou néotech. Voilà, néotech c'est plus simple à appréhender, prototech c'est plus complexe à appréhender pour lui et pour moi à expliquer. Voilà. Je pense qu'on arrive à la fin de ce live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je peux rester encore une ou deux petites minutes de plus pour y répondre. Si vous avez des questions directement pour Martin, pareil, n'hésitez pas. Si vous avez des commandes à faire, des illustrations que vous souhaitez faire, si vous souhaitez un modèle pour faire un sac, pour faire une bourse à dés, pour faire des trucs pour lancer les dés, bref, voilà, Freemae, si tu as besoin de d'illustrations originales, Martin peut aussi être dispo pour ça, et je peux vous mettre en relation. Julie, alors je crois qu'il y a quelques secondes de délai, mais à 22h40, je pense qu'on va arrêter ce live. J'espère que toutes les informations qu'on vous a fournies concernant les villes, concernant les unités de vie, vous ont plu. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous n'hésitez pas, il y a le Discord. Vous pouvez me contacter aussi par mail directement. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour parler soit sur un live d'univers, soit sur un live de règles. Et peut-être que dans la semaine, on fera un petit live rapide avec Martin pour qu'il commence un petit peu à sketcher la Valkyrie. Voilà, que vous puissiez voir en fait ce que vous allez pouvoir gagner. Une petite illustration spéciale Martin qui vous sera envoyée. Oui, alors ce sera en replay, donc en fait c'est enregistré, ce sera mis ici, et puis ensuite moi je vais le séquencer, enfin c'est un autre nom je crois, je vais le remonter pour le mettre sur YouTube. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne soirée Martin. Et puis, bonne soirée à toi et bonne soirée à vous aussi, les gens qui regardent. Allez, à bientôt. À bientôt.